Le Togo, comme le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une superficie de 56 790 km² et une population d'environ 8 285 000 habitants, est bordé au nord par le Burkina Faso, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana et au sud par l'océan Atlantique. Une riche variété de paysages et de cultures fait du Togo un joyau culturel et naturel en Afrique, de par ses différentes régions du sud que nous touristes nous avons visitées et que nous voulons vous révéler. Le jour plus long que la nuit, voilà Agapé, Kido et Marlène qui sont prêts à affronter les merveilles qu'offre la région des plateaux. Près de Nasté, bienvenue au sanctuaire du peuple Évé d'Agobo pour découvrir son histoire fascinante que ce guide touristique nous relate. Yovo va nyolo, ou va nyolo wahala, ou va dogo, yovo le français ou le wahala,
et ben y'a à Bobo, même y'a que le Bawa. Y'a ma tête d'affaire, toi le monteur, et ben y'a Wahala, y'a Bawa, affaire, ta à Bobo la Boduello. Tu viens à Bobo, elle est fière. Direction Atakpamé qui nous accueille avec ses jolies montagnes. We'll be right back.
respirer de l'air frais fait du bien. Nous y voilà à Yomé pour bien d'autres surprises que ce petit village situé dans la région des plateaux nous offre. L'une des richesses que dispose le peuple d'Agbosso, la cascade d'Ayomé. Un site touristique et à la fois un lieu de prière dont nous explique ce guide. On est en prière, parce qu'on est en prière, quand on a été à l'église, on est en prière, on est en prière, on est en prière. Ah, ok. Donc, sans vie, il y a un programme. Il y a deux cours, ça va être la fois. Johnny, il va le pied. Johnny va le pied. Parce qu'il veut bien courir, ça va être dévoilé. Il va y aller, il y a pas de l'église. Il y a toi. Et nous, avec le programme, il y a besoin. C'est bon. Il y a un. Après cette longue journée de découverte et de fatigue, bienvenue à Palimé, une ville peu connue mais qui regorge, pour le moins ce qu'on puisse dire, des trésors. Après l'effort, le réconfort, allons faire des détours pour voir comment cette ville s'anime la nuit. Et c'est avec un grand plaisir que cette boîte de nuit nous ouvre ses portes. L'ambiance y est, tout le monde danse, boit et s'engage jusqu'au petit matin. Les nouvelles Charles. Palimé, dans la région des plateaux, allons explorer les cascades de Pimé. 20 minutes de marche aller, 20 minutes de marche retour, nous sommes éblouis par ces chutes d'eau. Un très bel endroit à découvrir, ça je vous assure. Oh,
Moi, mon nom c'est Amélio Maouda. Je suis le guide de la cascade de Kouyé. Disons, avant c'était naturel la cascade là. Mais à partir de 1962, c'est le premier président qui était venu ici découvrir que ben, vraiment la cascade a pu servir autre chose encore. Donc c'est en 62 là qu'on a fait un grand barrage au-dessus de la montagne. Donc on a dévié l'eau du barrage là, par une conduite forcée. Donc c'est la pression là qui fait tourner les turbines en bas et ça produit l'électricité. Donc c'est à cause de ça qu'il y a la diminution de la cascade ici. Donc maintenant, quand il pleut beaucoup, que le barrage là est plein, là, le trop plein là, ça sort par ici, ça fait la cascade tout en bas. Donc c'est à peu près ça. Ça. Merci. Oui, l'autre cascade là, c'est la cascade de Kouyé également. De la visite des cascades de Pimé, direction Anéro pour la poursuite des visites. Passant par l'hôtel du lac,
détendre l'atmosphère, la maison des esclaves, pour en savoir plus de la période coloniale, sans oublier les cultures endogènes du peuple Kem, où les consultations de l'année se déroulent. Nous explique attentivement ce guide. Ils avaient commencé en 1830, pour terminer en 1852. Le 1er janvier 1852, la reine d'Angleterre avait demandé la signature du traité d'abolition. Du 24 au 27 de la même date, elle avait envoyé des cannes d'abolition à tous les rois de la côte. Et il y avait une canne qui est destinée au royaume de Budi, une à la localité de Gounikopi et la troisième à Porto Seguro. Porto Seguro veut dire port sûr ou port de sécurité. Ce sont les Portugais qui ont attribué ce nom à cette localité comme ça. Le bâtiment même, son architecture s'appelle architecture afro-brésilienne. Le roux est pour les commerçants, tandis que le bas est réservé pour les esclaves. On allait au nord et dans la vallée du Monon pour amener les esclaves. Et quand on les amenait, on les regroupait dans un marché appelé Blocotissimi. 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 Derrière le lac, oui, derrière le lac, et dans le village de Deco. Et dans quel langue ça? C'est un nom. Oh, non, c'est un nom africain. Ah. Oui. Et il les regroupe là-bas. Et après leur cri ou leur échange, on les amenait ici pour les forcer à rentrer. Voilà. Est-ce parce que vous trouvez en bas là? Ils sont plusieurs déjà. Plusieurs, oui. 100 ou 500. Voilà. Et c'est la chambre du chef des commerçants. Et à son départ, il n'avait laissé que l'armoire et le coffre fort. Le coffre fort, ça se. Le coffre fort, oui, ça se. Le coffre est resté ouvert, il n'y avait rien dedans. Là, il a tout pris. Ses effets précieux. Il a tout pris. Oui, il a tout amené. Ici, leur route d'esclavage. Ici, le date de la révolution. La route. La mine. C'est la route. Et il y avait des esclaves qui allaient au Brésil aussi. Oh oui. Les derniers. On ne sait pas qu'aux États-Unis que. Non, les derniers étaient versés au Brésil. Au Brésil. Oui. Mais pourquoi? Merci. Bonsoir. Oui. Ben, on va commencer à deux. Ben, on va se faire un peu. Ah, il y a eu deux couleurs. Et il y a eu deux. Un peu pas de l'eau. Un peu pas de l'eau. Un peu pas de l'eau. Thank you.
Nous reçoit à bras ouverts avec sa beauté et son histoire. Le Miniso, au cœur de Lomé, dénommé Fauna Cultura. Tout y est pour faire découvrir aux visiteurs les animaux qu'ils n'ont jamais vus, mais aussi de leur procurer le règne animal. En son sein, on y trouve différentes espèces, des chimpanzés, des crocodiles, des singes de tout type et j'en passe. Après ça, il faut faire aussi faire sa peau, parce que c'est froid. Et donc, si dehors, il fait peur, il reste ce qu'il reste, papa. Voilà. Ah, reste en temps. Non, 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 non. Alors, ce qu'on vient de faire là, on dit c'est doux là. Il a un bois. Il n'est pas venu là? Non, il n'est pas venu. Alors, s'il vous plaît. En fait, tout ce qui est bois. Tout ce qui est bois n'est pas venu là? Voilà. C'est fini, non? Non, attends, 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 attends. Il faut rapprocher ça en fait de temps. C'est derrière toi. Il est là. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est la bonne chose. Ça. Ah, tu mets au cou. C'est top. C'est chaud. C'est chaud. On va prendre une photo. Ok, s'il vous plaît, on va rentrer maintenant.
Allez, ça fait 4. Encore. Il est chaud, hein. D'accord. Bien. Trois garçons. Et donc une fois qu'il le fait, c'est pour impressionner. C'est pas douloureux. C'est bon. Attends. Allez, allez-y, ça y est, ça y est, ça y est. Selfie. Voilà. Mais non, 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 mais en fait, fais comme ça. Ok, viens ici, viens ici. Allez, vas-y. Allez, touche-toi. Bien, bien ici. Abi. Toujours coulé là. Donc ici vous avez plusieurs types de poissons, le poisson requin, c'est ce qu'on appelle encore le Phocasius, qui est de la famille des poissons chats. Vous avez les golden fish, c'est tout ce qui est doré derrière. Vous avez ce qu'on appelle le poisson roseau, encore appelé aussi snake fish. Donc il est ici, il est en forme de serpent. Le centre-ville de Lomé est le point de convergence de toute la population. C'est là que se trouvent beaucoup de centres d'affaires et de grandes institutions de l'État. C'est en plein cœur de la ville que se situe le marché de Lomé. C'est l'un des plus grands marchés de la sous-région et probablement le plus connu à cause de ses nanabens. Et bien, appelez mes vies, ça m'y est. Vous m'avez pas reçu. Et pourquoi? Juste à l'intérieur de ce marché, la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, avec son style néo-gothique allemand, est construite en septembre 1902 par les autorités coloniales allemandes. Elle est aujourd'hui l'un des édifices emblématiques de la nouvelle capitale togolaise.
Bienvenue au marché des arts de Lomé, un des incontournables pour les touristes qui visitent le Togo. Différents corps de métiers s'y trouvent. On y fait un petit tour avec ces touristes pour rencontrer les artistes dans leurs différents domaines. Ces artistes surprennent leurs clients par la variété et la beauté de ce qu'ils fabriquent comme objet d'art. Tout ça c'est du Ghana. Non. Ça c'est quoi? Niger. Du Niger. Oui. D'Agadez. La croix d'Agadez, c'est ça? Oui. Ça, ça protège. Qu'est-ce qui protège ça? Ça c'est quoi? C'est base du Ghana. C'est une case. Case du Ghana. Oui. Et quel peuple qui fait quelque chose comme ça? Et pourquoi vous n'avez pas mis les perles sur ça? Les perles comme ça. Pourquoi vous n'avez pas mis ça sur les casques, la casque? C'est ton bébé. Vous lui donnez les siens. C'est bon? Ouais. C'est ça. Connu par la grandeur de son port, ici c'est le port autonome de Lomé et le seul profond de la sous-région d'ailleurs est vraiment illuminé la nuit que j'ai envie d'avoir. Il draine aujourd'hui plus de 15 millions de marchandises par an. C'est essentiellement des hydrocarbures, des matériaux de construction, des produits vivriers et j'en passe. Ce port est un véritable poumon économique du Togo. Toujours au centre-ville, on y trouve de nombreux bâtiments ultra-modernes comme les meubles de la Banque togolaise, du commerce et de l'industrie ou encore des édifices à vocation hôtelière comme le célèbre hôtel 2 février, édifice moderne en béton de panneaux de verre culminant à 102 mètres. Mais pourquoi? Ce pays est aujourd'hui incontestablement une ville africaine mêlant la tradition et la modernité. Dans le quartier Akode-Sewa se situe le marché aux fétiches. Ce marché est célèbre dans la sous-région ouest africaine où la grande diversité de ses produits permettant à de nombreuses personnes de trouver ce que leur a prescrit les sorciers. Et le père fondateur du marché, c'est son statut là-bas, il est aussi un béninois. Okay. Il avait fait la Deuxième Guerre mondiale aux côtés de la France. C'est à son retour qu'il n'avait plus de force pour continuer dans l'armée. Il s'est jeté dans la tradition. C'est lui qui a créé le marché. Mais quand vous regardez sur la plaque, il est écrit que le marché est créé en 1863. Alors que la Deuxième Guerre mondiale, c'est en 1945. Ouais, c'est parce que cette pratique existe depuis un temps. Mais c'est lui qui a réorganisé après la guerre.
Assez Wow. Donc, en français, c'est la chouette. Oui, la chouette. La chouette, qu'est-ce que c'est? Et la chouette et les hiboux, ce sont des oiseaux nocturnes. Donc, et ici, les gens le confondent à la sorcellerie. Parce que c'est un oiseau nocturne, donc les mauvais esprits rentrent dans l'oiseau pour faire du mal. Ils profitent de l'oiseau pour faire du mal. Donc ici, nous l'utilisons pour faire des produits contre la sorcellerie, contre les mauvais esprits. Les poupées ici, ce sont des simples décos, des simples souvenirs, ok? Souvent, quand bon nombre de visiteurs voient ces genres de poupées, ils disent poupées vaudou. Ils pensent en appelant poupées vaudou, c'est une poupée où on fait du mal aux poupées, la personne aura mal là-bas. Surtout avec les poupées. Mais c'est faux. Et je ne peux pas dire que cela aussi n'existe pas, ça existe. Mais ça, c'est Azisa, c'est la sorcellerie. Un sorcier peut prendre une poupée et faire du mal à quelqu'un à distance. C'est comme ça qu'un prêtre vaudou aussi peut prendre une poupée et guérir à distance. Okay? Donc on a des masques ici, c'est juste pour la décoration des souvenirs, mais les masques représentent des lumières, quelque sorte de peuple de la fête. Aussi, c'est Fanny, je crois que vous l'avez vu là-bas, à Abomey. Abomey, on a été un dessin. Vaudou en hébreu est sous moi composé de deux mots. Vaudou veut dire à part ou autre. Et tout veut dire mon nom. Coco. Coco. Bonsoir. Viens. Une nouvelle journée, direction le palais de Lomé, un monument construit de 1898 à 1905 durant la colonisation allemande, rénové en 2019 et qui sert aujourd'hui un lieu touristique ouvert à tout public. Comment vous allez? Très bien, vous. Tu vas très bien. Bon, pour commencer la visite, je vais faire une petite histoire. Le palais de Lomé. Merci. Moi, c'est Isaïe. Vous êtes? Moi, c'est Moïse. Moïse, d'accord. Autrefois, le palais s'appelait Palais des gouverneurs allemands. Et c'était construit par les Allemands de 1898 à 1905. Ils ont pris en tout 7 ans pour construire le bâtiment. Premièrement, ce sont les Allemands qui ont visité ici. Et après la Première Guerre mondiale, ils ont été changés par les Français. Après encore, ici fut la première présidente du pays. C'est ici même qui a vécu Sylvanus Olympio.
Donc, par après encore, la présidence a été déplacée et ça a été changé en primature, là où résidait le Premier ministre. C'est dans ce moment où il y a eu des tours sociopolitiques. Il y a eu un peu de fusillade par-ci et ils ont abandonné les lieux pendant 20 ans. Thank you.
En tout cas, dans l'ensemble, ce fut une magnifique visite. Lomé est un creuset, un carrefour où tout se transforme, tout évolue à une rapidité incroyable. Construite sur le littoral, face aux eaux du golfe Bénin, la ville de Lomé forme un grand ensemble d'étendue, harmonieux et accueillant. Elle reste toutefois une petite métropole qui a su garder son cachet humain. Lomé est le reflet du modernisme et de la tradition. Un mélange d'un soupçon de parfum européen et d'une bonne dose de culture togolaise. Ainsi prend fin notre documentaire partie A Sud Togo et rendez-vous pour la partie B Nord Togo. À bientôt.